Bon allez c'est parti, allez on est parti. Allez c'est parti. Premier match de la soirée, donc Winners Top 8, on sera donc 6 joueurs aujourd'hui. Ouais. On rappelle FT3 hein les gars. FT3 voilà, FT3. Vous inquiétez pas, j'ai réglé les matchs pour que ça se fasse pas plus de 3 matchs gagnants, donc vous inquiétez pas. Même si vous pouvez pas aller au-delà de 3 matchs. Donc voilà, on est tipard, voyons voir. Yo Claver, comment tu vas gros, bienvenue au stream. Alors, checking the opponent's connection, voyons voir, j'espère que ça va marcher, l'assist. Bon, donc là, c'est un match entre donc un joueur qui est situé au Japon et un autre qui est situé en France. Donc pour l'instant, bon, spectate, ça a l'air de ça a l'air de bien marcher pour l'instant. On ne peut malheureusement pas voir le nombre de frame rollback, mais pour l'instant, ça a l'air d'être relativement stable de notre côté. Ça a l'air d'être pas mal, j'aime bien, ça commence direct avec des TP d'un côté et des autres de l'autre. Très représentatif. Voilà, oui, c'est un match bien représentatif. Alors, un Nugget Burger HS de la part de Sora qui essaie de contrôler le neutral. Totsugeki Fest de la part de Nox qui essaie justement de contourner toute cette offensive et qui malheureusement se fait choper dans le coin. Il lui reste juste un tout petit peu de vie. Ah, et le guard break into the low kick de Mister. De Sora. J'ai une désynchro moi en. Ah ouais, t'as une désynchro, merde. Et t'es... Ouais, j'ai une désynchro moi en sec là. Et du coup là t'as été t'as été jarté du spectate. Non j'ai pas été jarté mais ça a désynchro genre les deux persos font n'importe quoi. Mais c'est pas d'accord grave, ok. Putain c'est bizarre hein. On peut suivre de ton côté ouais. Ok c'est pas tant grave, mieux. C'est peut-être parce que justement je host c'est peut-être parce que c'est moi le hoster que pour toi c'est un petit peu plus difficile de suivre le mode spectate ouais. Probablement. Bon alors tentative justement de contre de la part de Sora qui l'a fait à un moment un tout petit peu inopiné car le DP sur la dust tenté de la part de Noxaria. Ok par contre petit. Ah ok pas mal pas. Bon il y a un petit avantage niveau Vita de la part de Noxaria. Wake up comment on appelle ça, étoile de ninja je l'appelle mais ça a probablement un nom un petit peu plus scientifique que ça et cheap kill de la part de Nox. Bien joué à Nox. Donc, l'étoile de ninja en stance, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Je sais pas comment on l'appelle. En stance, c'est l'oclo slash. L'oclo slash. Ah, le slash, ok. Enfin, c'est le slash de en stance. Ok, bon, je vais appeler le slash alors. Ah, ça a tenté de passer derrière avec le gravir, le Zweitem, mais malheureusement, c'est resté devant, ça s'est pris la choc. Et ça se prend des pressings à base de dauphin. J'avoue. Ah, ça va, la part. Nox, il a. Ouais, Nox, il a pris du niveau, hein, mine de rien. C'est pas du tout comme c'était avant. Et boum, premier match pour Nox, du coup. Très belle prestation, hein. C'est vraiment bien joué, hein, disons. Action la pression dans le corner était très sympa. Carrément. Du côté Nox, il a bien réussi à varier ses moves qui permettent de poke comme il faut. Alors, Sora nous dit qu'il joue à 0 dauphin, malheureusement. Et oui, c'est probablement dû un petit peu au lac quand même, hein, à mon avis. Mais c'est quand même très très dur de. On a bien joué, bon air-to-air de la part de Sora qui a bien converti justement. Ça colle au mur et la moitié de la vie qui se barre d'un seul coup d'un seul. C'était très très bien joué de la part de Sora et un autre air-to-air qui a réussi à choper le Totsugeki de Nox. Je sais pas comment ça s'est opéré tout ça. Ok, allez, Nugget Burger de la part de Sora, counter hit sur le Jumping HS de Noxaria qui n'a malheureusement pas pu convertir, mais c'est pas très grave. Il a réussi à. Ah, il a presque réussi à BT. Ah, oui, finish le 6P de. Oh là 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 là, c'était beau, très beau, ouais. C'était joli, ouais. Très très bien joué de la part de Sora qui a réussi à baiter le burst. Hein. C'était très très beau, ouais. Bien joué Sora là, pour la peine, enfin putain. Ok Totsugeki, hop là, qu'est-ce qui va se passer? Ok ouais. Il se regarde dans les blancs des yeux. Ah tu m'étonnes. Ok, nice. Voilà, c'est bien. Sora qui commence à comprendre les oki qu'il peut faire avec pour rendre son Svite plus sécurisé. Exactement, et Sora donc, qui. Passer en stem sans risquer de se faire punir. Ouais, Sora. Ça prend le side switch, ça va envoyer la super et qui va probablement tuer. Hein. Exactement. Ouah, bien joué, hein, partout. Ah, ça, on a un bon match, hein, nickel. Et Sora qui joli, vient tout juste de fusionner avec la jungle, il ne l'a pas rejoint, il est devenu la jungle. Un pour un pour la jungle de la part de Sora qui remporte le deuxième match. Ok, alors la sweep de la part de Nox enchaîne directement dans le dust et qui, bah évidemment, excepté. Ah, il a eu raison hein, parce que là il restait plus beaucoup de vie sinon à mon avis s'il se prenait la full burst. Ok, Totsugeki counter hit into le Totsugeki. Pas mal de vie, pas mal de guts. Il lui aurait resté de la vie, mais c'est vrai qu'il aurait été quand même en danger. Pas mal ça. Il a en danger quand même. Oh là là, le deuxième test qui a été puni par un DP. Nox, il aime bien. Waouh, tranquillement, traversant dans le corner. Ouh, cool là là. Est-ce que c'est. Je crois que ça c'était une erreur d'input à mon avis. Ça s'était pas voulu à mon avis.
Ah, ou alors c'était un très gros rig, mais si ouais. Ça passe, ça aurait été bien joué. Ça aurait été assez ouf. J'aurais dit que c'était un hit, tu vois. Si c'était passé, j'aurais dit que c'était un très beau hit de la part de Nox. Oh, nice, le counter hit là et le DP into la mort. Ouais. Le DP into RC qui va tuer sur un DH. Ouais. Belle chose, belle chose. C'est bien, bien joué de la part de Sora. Alors, round 1 pour Sora qui a réussi à choper un counter sur le sweep. Le counter qui permet de rendre le Svite sécurisé. Ouh, on repart sur un petit combo de Svite tranquille, ça fait des droites, gauche, droite, gauche. Ouais. Ah, ça prend le burst malheureusement parce qu'en scène c'est dur de l'éviter le burst. Mais franchement, c'est pas. Encore une petite itération du combo, ça devrait le faire. Ouais, ça le fait. Est-ce que c'est imperfect? Ça c'était imperfect ça. Tu sens que Sora là il a pas envie de partir sans vraiment vendre sa lasagne, si je puis dire. Il a plus envie de la vendre, il a envie de la garder pour lui-même. Donc là tu vois que Sora il est chaud là. Ok, petite sweep là, il est chaud là, pour l'instant il n'y a pas eu de lasagne. Ah j'avoue, pour l'instant il est pas mal, il est 10 sur 10. Pas mal Sora avec le changement de côté. Le slash slash into overhead. Et là c'est bon, c'est passé. C'est parti, il va pas mal de clash, j'avoue. Ok, burst, bah bien joué, hein, tu me diras, comme ça il a réussi au moins à avoir toute sa barre de tension remplie. Sweep into standing HS et qui se fait DP malheureusement. Ouais. Ah, attention, ouh, le shot était un peu décalé, du coup ça s'est fait choper forcément. A vu le mauvais timing. Ouh, ouais. Tiens, il s'est fait choper par reprendre l'avantage. Ouais. Très bonne utilisation de la sweep de la part de Sora, mine de rien. C'est pas la première fois qu'il arrive à choper Nox qui essaie justement de backdash. Pour ne pas choper la pression. La sweep est très très forte, elle va très très loin. Léo est considéré comme étant un petit peu airborne quand il l'a fait et quand ça fait counter, ça permet de faire vraiment des trucs très sympathiques. Tout à fait, tout à fait. Justement, cette sweep elle a des propriétés entières, j'ai l'impression. Parce qu'elle chope vraiment les gens qui retombent du ciel, quoi. C'est assez ouf. Elle a une hitbox qui est relativement haute en fait, c'est pour ça. Elle n'est pas disjointe. Non, elle n'est pas disjointe. Ok, ok. Ouah, DP dans l'air, dommage. Non, ce serait Léo Vanna. Léo Vanna, je vous. Ah mon dieu. Ok, pas mal. Oulala. Sora, il se déplace en faisant des DP, mon pote. Sora qui se singifie au fur et à mesure que le match commence. Sora singifie complètement. Sora qui ne s'arrête plus. Sora qui ne s'arrête absolument plus là. Hop là. Voilà, Nox a réussi à justement le punir là et qui va quand même essayer de tenter une. Il va quand même faire un DP, putain. Ouh, pas mal ça. Et c'est là pas la mort. Voilà, c'est pas mal, pas mal, bien joué. Voilà, bien joué, Sora, bien joué, Sora, Nox. Noxtaria, il t'a dit, tu as ce que tu mérites. Là, il fait que l'autre. T'es pas bon. Là, il t'a que l'autre. Là, Nox, il t'a bien que l'autre, mon pote. Voilà, Noxtaria, t'as bien fait comprendre à Sora qu'il fallait arrêter de bourrer. Tu vas arrêter pour rien. Non, mais c'est ça, voilà, tu vas arrêter de me prendre pour une banane. Changement de côté, que je le sentais venir là. Ok. Bon, là, ça va être chaud pour Sora, pas Sora, pour Nox qui est dans le coin. Petite utilisation de la Faultless Defense pour essayer de prendre un petit peu pour mettre de la distance entre lui et Léo et le DP. Ok, il y a relativement une similarité niveau Vita. Est-ce que par contre. Oh, bien joué! Ça c'était bien joué parce que ça aurait été justement, ça aurait chopé le DP. Le slash! Et là ça va. Non, c'est pas la fin! Et c'est là, pas la fin! Non, le bouclier! Le bouclier était ouf!